La zone panoramique d'écotourisme de Huangpi, dans la banlieue nord de Wuhan, est la plus grande zone d'écotourisme urbain du centre et du sud de la Chine. Depuis que le confinement de Wuhan a été retiré l'année dernière, les chambres d'hôtes haut de gamme sont devenues ici de plus en plus populaires parmi les Wuhanais. Selon des statistiques fragmentaires, le taux d'occupation hebdomadaire moyen des B&B de haut de gamme dans la région pittoresque de Huangpi de Wuhan peut atteindre 60 %. Ces B&B sont difficiles à trouver le week-end et les jours fériés, nécessitant au moins 2 semaines de réservation à l'avance pour louer une chambre. J'avais l'habitude de voyager dans d'autres endroits, mais maintenant, en raison de la pandémie, j'ai annulé mon voyage en dehors de la province pour des raisons de sécurité et je cherche un gîte à proximité. La clé est que j'apprécie toujours le sentiment d'être à la campagne, pas trop bruyant et un peu isolé. En plus de la situation géographique supérieure et de l'environnement naturel, les B&B haut de gamme dans la banlieue nord de Wuhan se caractérisent par leur capacité à offrir une expérience de vie confortable et intime, un service complet et attentionné de majordome et une garantie de sécurité sans souci pour les touristes. Nous n'accueillons aucun client sans réservation de repas. Nous ne servons que les clients séjournant à l'hôtel, y compris les autres espaces publics du B&B. Nous avons un ensemble de procédures standards pour la prévention et le contrôle des épidémies. Les clients sont tenus de montrer leur code sanitaire numérique, leur carte d'identité et d'accepter la prise de température lors de l'enregistrement. Les chambres, les salles à manger sont désinfectées tous les jours. Plus de 70 % des clients qui séjournent dans ces chambres d'hôtes haut de gamme sont des touristes locaux à Wuhan et quelques-uns proviennent de provinces et de villes environnantes. Il ne faut qu'un peu plus d'une heure pour se rendre de la ville de Wuhan à sa banlieue nord. À l'ère post-pandémique, il se peut que davantage de personnes ne partent pas à l'étranger ou n'aillent pas trop loin, ce qui est une condition favorable à la croissance de l'industrie du B&B. Les secteurs qui ont bien réussi dans ce domaine commencent à créer des groupes de B&B. Nous suivrons certainement cette ligne de développement à l'avenir. Donc, c'est aussi notre prochaine étape. Ces dernières années, l'infrastructure publique de la zone panoramique nationale de Huangpi dans la banlieue nord de Wuhan a été améliorée davantage, créant les conditions pour l'implantation de chambres d'hôtes haut de gamme. Le gouvernement local a de plus publié des politiques incitatives correspondantes pour encourager le développement des B&B haut de gamme. La pandémie a changé le mode de vie des gens et les touristes s'intéressent désormais davantage aux aspects sanitaires et sécuritaires des offres touristiques. Les B&B haut de gamme de Huangpi sont surtout destinés aux loisirs en plein air, aux soins de santé et au confort pastoral, afin que les visiteurs puissent découvrir l'écologie locale et le lent rythme de vie.